Hey. Ah, c'est ça. Je suis content. J'appelle Julie. Oui, Julie, et c'est François. Écoute, je suis sur le perron de l'Élysée. J'attends Emmanuel, mais il n'est pas là. Il est en retard. Oui, ça, c'est les ados. Mais écoute, oh, je crois qu'il arrive. Je te laisse, je l'entends qu'il arrive. Je te fais des bisous à ce soir et tu me fais des nouilles. Bisous. Bonjour, monsieur le président. Et salut, Manu. Je suis content de te voir. Regarde-le, celui-là, il a une bonne bouille, regarde. Il a eu son petit costume du dimanche, il est beau comme un sou neuf. Monsieur Land, cela est plus qu'un costume que j'endosse. Aujourd'hui, j'endosse la responsabilité qui m'a été confiée par le peuple français. Et je compte bien redonner à la fonction présidentielle ses lettres de noblesse. Bon, je te fais la visite. Allez, où? En route. Allez, en marche. Pouf, voilà, alors... On arrive dans le hall d'entrée, très joli hall d'entrée, belle hauteur de plafond, très lumineux. C'est somptueux. Oh, je me permets de faire une petite photo pour mon compte Twitter. Hashtag nouvelle maison, hashtag poudre, hashtag perlimpinpin. Alors là, c'est la salle des fêtes. C'est somptueux. Cela correspond tout à fait à ma vision protocolaire de la tradition républicaine. Et ça trouve le cul, hein. Oui. En tout cas, c'est l'endroit idéal pour faire des cérémonies officielles et recevoir des grands de ce monde. Et tu peux faire des booms aussi. Oh non, ça ne m'intéresse pas. Monsieur, arrête de faire ta simagrée, on fait des booms. On a un traiteur juste pour nous à l'Elysée. Il te fait des petits blinis au foie gras avec un petit peu de miel. Ça t'explose les veines du cul, je t'assure. Oui. Mais oui, rigolez pas, c'est avec votre pognon. Non, vraiment. S'il vous plaît, monsieur Land, j'ai passé l'âge de faire des booms. Et maintenant, auriez-vous l'obligeance de me montrer mon bureau? Oh, d'accord, monsieur le rabat-joie. Alors, le voici, le bureau. Quelle émotion. Cela me donne très envie de me mettre au travail. Et ça m'a jamais fait ça, moi. Bon, c'est très beau. Quand je pense que monsieur De Gaulle s'est installé sur ce fauteuil. Oui, et tu sais que ce fauteuil vient du Burkina Faso. Ah bon? Les chaises ici viennent d'Italie. Le cadre vient du Brésil. Ah, d'accord. Et l'abat-jour? De Suède. Ah, de Stockholm. D'IKEA. Ah, d'accord. Oui, c'est la collection Overlude. D'accord. On a une petite promotion. En tout cas, la collection de statues grecques est sensationnelle. Oui, tu as vu, ce sont des cadeaux de chefs d'État. Ici, tu reconnais Apollon. Oui, dieu des arts et de la beauté. Et là, c'est Dionysos. Dieu du vin et de l'ivresse. Et là, c'est Patrick Sébastien. Ah. Dieu des sardines et de la fiesta. D'accord. Très beau. Très bel objet. C'est un cadeau d'Angela Merkel. Ah. D'ailleurs, comment est-elle en vrai, madame Merkel? Elle est chiante, elle parle allemand, on comprend rien. D'accord. Bon. Maintenant, je vais te donner le code. C'est très important, Manu, tu as de quoi noter. Évidemment. Le code W majuscule N minuscule 7 8 2 R majuscule T minuscule 3 7 1 W majuscule 2. J'imagine que c'est le code de l'arme nucléaire. Et non, c'est le Wi-Fi pour la B-Box. Alors, et quand ça marche pas, tu débranches, tu rebranches. C'est con, oui. Mais le code de l'arme nucléaire, juste aimé que vous me le communiquiez. Ah, je l'ai aussi, je vais te le donner, Manu, tu as de quoi noter, c'est très important, attention. Le code de l'arme nucléaire français. 1, 2, 3, 4. Voilà. Oui, je l'ai modifié en arrivant, c'était compliqué. D'accord. Bon, on continue la visite. On parle à droite ou à gauche, comme tu préfères. Pardon, j'étais déstabilisé, pardon, on va aller tout droit. Il y a un mur, on va à droite. Là, ça, c'est la salle de gym. Ça a l'air tout neuf. J'ai jamais foutu les pieds. Et maintenant, on arrive dans le cœur de la maison, la cuisine. Alors, tu verras dans l'inventaire, il manque une fourchette à saucisses. C'est fâcheux. Par contre, on a plein de casseroles. Mais ça, c'est Sarkozy qui les a laissées avant de partir. Et probablement, il y en avait un paquet. En tout cas, vraiment... La cuisine a l'air vraiment très, très fonctionnelle. Et hein. Oui, Brigitte pourra te faire plein de petits plats. Monsieur Hollande, ce que vous dites est sexiste et déplacé. Je me prête moi aussi volontiers à l'exercice de la cuisine. Et qu'est-ce que tu fais? Des cordons bleus. Et les gnocchis? Oh, des gnognos! Des kitty, des gnocchis! Chamica! Le plus important, le ramassage des poubelles. Évidemment. Le lundi, c'est les bouteilles en verre. Le mardi, les déchets ménagers. Le mercredi, les ministres. D'accord. Voilà. Hop, alors, je te donne les clés de l'Elysée. Est-ce que vous auriez les doubles? Et non, je les ai paumés. Ah. Manu, je te souhaite bon courage dans cette tâche. Tu verras, président, c'est pas facile. Les Français vont te critiquer, critiquent toujours. Mais que veux-tu? Ce que je veux? Oui, que veux-tu? Ce que je veux? C'est une façon de parler, c'est une expression. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner! Parce que c'est notre projet! Vive la République!
République, vive la France! Et Manu! Manu! Tu descends? Allez, je te laisse, hein? Tu embrasses Brigitte pour moi. Ce sera fait. Embrasser Ségolène. Non. Valérie? Non. Julie? Oui, c'est ça. Voilà. Moi, je m'en vais. Je m'en vais. Pareil à la feuille morte. Paul Verlaine. Ah. Bon, bah, big bisous. Carlos. Les jumeaux, c'est magnifique!